Et le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Mustapha Mohamed Mahmoud, a reçu jeudi, hier après-midi, une importante délégation de l'UNESCO, conduite par Anne-Thérèse Ndong-Diatta, directrice du bureau régional pour l'Afrique de l'Est. Au cours de notre entretien, le ministre et son hôte ont longuement discuté des voies et moyens permettant à la consolidation de partenariats entre l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, l'UNESCO et le ministère de l'Éducation nationale. La haute responsable onusienne n'a pas manqué par ailleurs de saluer le remarquable travail de réflexion engagé par Djibouti en matière de l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages.